Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Présentation d'une vidéo assez spéciale. En fait, Nico s'est fait livrer un colis chez moi. Et je sais qu'il n'y a qu'une seule miniature dans le colis qui est pour moi. Enfin, un ensemble de miniatures qui est pour moi, entre guillemets. Mais le reste, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai demandé l'autorisation à Nico si je pouvais faire une vidéo, comme ça fait vivre la chaîne. Il m'a dit ouais, vas-y, fais la vidéo, fais. Donc franchement, je ne connais pas le contenu du colis, je viens de l'ouvrir. Ce que je vois juste, c'est qu'on va commencer par montrer la pièce que moi j'avais commandée en premier. Voilà, donc j'avais commandé un ensemble camion Team Convoi Matchbox. Donc aux couleurs de Shell, donc il m'avait dit que le blister il était défoncé, mais c'est pas grave, il est encore complet, il est défoncé, mais il est complet. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais, un joli coffret Matchbox. C'est beau. C'est pas mon camion de prédilection devant, j'aurais préféré que ce soit un Kenworth comme celui-ci. Voilà, qui tracte la citerne. En tout cas, il est beau. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pour moi. Voilà. C'est ce que j'ai pour moi. Maintenant, voilà, c'est bien, ça va enlever un petit peu le contre-jour de derrière. Maintenant, je ne sais pas du tout le contenu du colis. Et on va découvrir ça ensemble. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Alors, il y a du loose et il y a du blister. Alors, on va commencer avec une petite Mercedes AMG A35 Formatic. Alors, ceci, je ne sais même pas si je l'ai. C'est marrant. Voilà, en tout cas, un joli tempo avant. On est bien sûr chez Majorette, hein, je ne l'ai pas précisé. En tout cas, elle est plutôt sympa. Hein. Voilà, donc je sais même pas si lui il sait ce qu'il avait commandé. En tout cas, voilà pour le premier modèle. On va essayer d'aller vite parce que ça me fait rigoler. Alors qu'on monte les blisters en premier, ça me fait rigoler parce que celui-ci, je viens juste de le présenter en vidéo sur la chaîne. Donc voilà, et lui aussi il va réceptionner son petit classe E all-terrain de chez Majorette. Donc ça me fait rigoler parce que. Je l'ai, mais je sais pas où c'est que je l'ai mis. En tout cas, voilà, je viens juste de le présenter. C'est marrant, je ne le trouve pas. Ah, si, il est là. Voilà, ça, c'est le mien. Ça, c'est celui de Nico. Voilà. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, je viens juste de le présenter. Ensuite, il y a. On va continuer avec les blisters. Comme ça, on va les mettre au fond. Oh, mon coquin! Il me l'avait pas dit qu'il en avait une qui arrivait. Ça c'est un coquin. Alors, la Gold Edition 2021, la MG GTR. Il me l'avait pas dit. Hein. Il me l'avait pas dit. Alors ça c'est la mienne. Celle de droite c'est la mienne. Celle de gauche c'est celle de Nico. Le petit cachotier. Moi j'ai dit j'en ai une. Et il m'a pas dit ouais moi aussi j'en ai une au cours de route. C'est génial, ça c'est exactement pour ça que je voulais faire la vidéo, pour un petit peu voir, avoir des réactions un petit peu sur le contenu du colis. Donc là il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, en tout cas c'est bien emballé. Alors il y a des Playmobil, alors, Nico il se met au Playmobil, et un truc Peugeot. Alors à mon avis c'est un porte-clés Peugeot. C'est un porte-clé Peugeot hybride. Voilà. Donc on va lui laisser découvrir tout ça. Et les Playmobil. Ça, je ne vais pas ouvrir par contre. Je ne vais pas l'ouvrir. Si mes gamins ils les voient, ils vont les mettre avec leur Playmobil. Donc ça, je vais le mettre tout de suite de côté. Voilà, le Playmobil. Ensuite, on a un beau blister. Mais vache, il est vachement rempli ce colis en fait. Each and all. En plus, je ne l'ai pas celui-là. Alors, je l'ai vu en Allemagne. Pendant la période Covid, on va dire, hein, quand il était sorti, je crois qu'il était hors de prix. Parce qu'il était à 20 euros, un truc comme ça. Et j'ai dit, what?
What? Entre temps, le magasin, il a fermé. Donc, voilà. Super sympa. Hein. Volkswagen type 3. Hein. Type 3, hein, je crois que ça, c'est le type 3. Marqué quoi? Transporteur. Crew cab. Avec la remorque. Donc, ça, j'ai pas. Ça, c'est... Ah, j'ai pas. Ah, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Donc, je peux pas dire ça, j'ai pas. C'est pas à moi. Donc, voilà. Ça, c'est à Nico. Allez hop, il y a du loose. Il y a du palouse. Mais donc, majorette. Je l'ai pas celui-là en plus. Je l'ai en jaune. Non, je l'ai en rouge. Je l'ai pas en plus avec l'échelle complète, quoi. Le petit camion de pompier majorette. Très bien. On va essayer d'aller vite. Parce que il faut que je récupère mon gamin à l'école. Voilà, deuxième. C'est quasiment le même. C'est aussi du Mira. Voilà. Alors, version majorette. La version Mira. Si je vous le montre pas. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mira c'est espagnol. Voilà. Hop. Après je vais tout lui remballer correctement. Pour lui apporter. Ah, le petit crafter jouet club. Bah, je pense qu'il l'a en... Je pense qu'il l'a en blister, Nico. Bah, je suis persuadé même qu'il l'a en blister. Il l'a peut-être pas en loose. Donc ouais, je pense qu'il est content d'avoir trouvé en loose. Je sais même pas s'il se souvient de tout ce qu'il avait dans cette commande-là. Ensuite... une petite Peugeot 1007. Alors celle-ci je l'avais en neuve, en boîte. Et me semble-t-il que je l'ai vendue, je crois, au French Utilisé. Voilà, donc celle-ci, hop, on va la laisser là. Les emballages, les journaux. Voilà, il y en a plein. Mais je vais mettre une heure à ouvrir ce colis là. Ah, classe. La petite classe A en loose Hot Wheels. Là, quand elles sont en main, elles sont quand même différentes de dans les blisters. Ça, elle est classe. Allez, on va continuer. Avec, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Un petit camion Matchbox. Alors, celui-là, c'est le Poop King. Merde, putain, j'ai failli faire tomber les petits Poop King. Il est sympa, hein, puisqu'il y a les trucs, là, les toilettes. Les toilettes qui sont posées dessus. Et bah, je l'ai jamais vu, celui-là. C'est marrant, ça. Il n'y a pas d'ouvrant. Non, mais il y a les toilettes qui sont amovibles. Voilà. Pour Nico, ça. Toilette. Une toilette de chantier. Non, celui-ci, ouais, je l'avais déjà vu. À l'effigie Matchbox, le petit E-Star Electric Van. Voilà, hop. C'est bien, ça va lui plaire. Ça, de nouveau une 1007. Cette fois, c'est la Black. De chez Norev. Hop, on va la mettre à côté de la rouge. Mais après, je les emballe. Hein. À lui dire. Et je pense que je mettrai la vidéo en ligne après qu'il ait découvert le contenu, après que je lui ai donné le colis. Hein. Ça sera plus simple. Et ça, c'est beau, ça, j'ai pas. Peugeot RC. Ça, c'est beau et ça, j'ai pas. Jolie finition, ça c'est beau et ça j'ai pas. Voilà. Voilà, attends, moi j'ai le truc haut là, il prend beaucoup de place là. Hop, on va le mettre là. Voilà, on va la mettre là. Ensuite, alors je peux pas vous dire que je finirai par le plus beau des modèles, hein, ça. Celle-là, je l'ai, je crois. Ford GT de 2005 Matchbox. Elle est belle, hein. Il me semble qu'elle était issue d'un pack de 5. Donc, je pense que ça va lui plaire. Ça va être content. Les racines ici. Voilà.
purée, il y en a plein encore. Ah, et bah la même, mais en rouge. La Peugeot RC. En état de jeu, par contre. Léger, mais encore convenable. Je pense que c'est un bon coup de nettoyage et c'est bon. Elle sera quasiment, quasiment comme neuve. Voilà, on va la mettre à côté de la noire. Je pense que la noire va plus vite que la rouge. Un petit Unimog Hot Wheels. Il est beau celui-là. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau. Alors là, la vache, j'ai pas beaucoup de place là. Ah mais. Oula, attends, il y a deux morceaux là aussi. Alors ça c'est chez Matchbox. Ils aiment bien faire des trucs comme ça. Alors c'est dans quel sens? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Garbage scoot. Hop. C'est ça. Et avec ça. Peut-être comme ça. Je pense, hein. Mais t'aimerais que ce soit comme ça. Comme ça, peut-être. Je sais pas. Là, c'est la poubelle. Hein. C'est la poubelle qui transporte. Bon, bref. Je sais pas. Hein. Nico, t'auras qu'à le mettre dans ta collection. Hop. Je sais pas comment ça se met. Puis j'ai pas le temps. Hop là. Une petite. Ça, c'est quoi? C'est une Masto. Chevrolet Camaro SS de 2016. Oh, je l'ai pas celle-là non plus, tiens. Marrant avec les roues comme ça, j'ai jamais vu des Maisto avec des roues comme ça. À mon avis, c'était du Maisto de base qui a été vendu sous une autre licence. Ensuite, on a un camion de pompier. On joue à une grande échelle. Majorette. Wow, pompier grande échelle. Et il va être content là. Oh, il va être content le. Et celui-là est beau. Hein. Oh, Nico, il va être content. Je vais pas lui dépiler l'échelle et tout. Ah, c'est une belle commande qui s'est fait. Belle, belle, belle commande, hein, Nico. Ça a bien caché son jeu, là. De la gold et tout. Super. Super, super, super. Hop, on continue. Avec... une petite BMW 2002 de 69. Bon, celle-là, je crois qu'elle va aller dans ma poche. On va rien dire à Nico. Hein. J'adore. Donc là, on est sur du Matchbox. Je ne l'ai pas dit. Voilà, super beau. Ça, je kiffe. Ensuite, un petit AMG G63 Majorette. Couleur jaune avec l'ouvrant, donc celui-ci on va pas se lézarder, je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Voilà, je vais le mettre là. Je l'ai présenté en plus récemment sur la chaîne. Là on a, je sais pas ce que c'est, Maisto Transit Connect, Ford Transit Connect Maisto. Voilà, hop, on le met de côté parce qu'après il faut tout que je remballe, hein. Petite Mercedes 500E Hot Wheels, elle est belle en loose. Mon petit Nico, là, je crois qu'il y a trop de voitures qui devraient aller chez moi, là. Hein. Bon, on a un souci, c'est que j'ai plus de place sur mon tapis et ça continue d'arriver. Encore un majorette pompier, échelle rouge. Voilà, on va le mettre sur le mien. Hop, putain, on va les mettre là au-dessus. Hop, hop, on essaye de récupérer un peu de place. Ensuite, ça, c'est une McLaren F1 Hot Wheels, marrant. Ah oui, moi j'ai la GTR. McLaren F1. Elle est jolie la temporaire. Hop, on va la mettre là. Ensuite, on a un petit school bus, surfing bus plutôt. Surfing school bus avec les planches de surf à l'arrière. Donc ça, je sais que Nico il va surkiffer.
Ah, dommage, il manque toute la tempo avant quoi. J'aurais pu faire quelque chose là. Hop, je lui mets derrière. Ensuite, mais j'aurai jamais assez de place pour tout mettre. Il faut de tables plus longues. Ford Mustang, Maisto, GT 2015. Voilà, hop, on la monte vite fait. Voilà, hop, on va la garer à côté de l'autre. Et de nouveau un camion de pompiers. Ils sont tous différents. Hein. FD New York, celui-là je l'ai. Je vais le mettre par-dessus les autres. Ouais, non, là je peux pas. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors, on va enlever ça et ça. Voilà, on va laisser la gold hein, quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite Burago. Au 1,43, c'est une Alfa Romeo, je dirais. Je sais pas si c'est ouvert. Ouais, il n'y a pas de scotch. Eh mon GG, tu l'ouvres? C'est pas le moment de lui casser la boîte. Il va me dire, tu m'as cassé la boîte. C'est le nouveau, ça. C'était le vieux, là. C'était le vieux, ouais. Je savais pas qu'il avait sorti chez Burago. Oh, ils montent les roues. Oh Nico, elles sont moches les roues. Hein. Allez hop. Je le remets dans la boîte. Incognito. Voilà, voilà. On va continuer. Mon petit Nico. Eh la vache. Il s'est fait plaisir. Hein. Il s'est fait plaisir, petit Nico. Hein. Oh là, c'est quoi ça? Maisto, Clio. J'ai Clio, Renault Clio Sport. Je ne sais même pas qu'il l'avait sorti chez Maisto. Avec un Giro. Ça devait être issu d'un coffret secours, à mon avis. Voilà. Oula, oula, oula. Là, on a un truc en état de jeu. Majorette Squat Force. Voilà. Une remorque. Avec des armes, on va pas y toucher. On va lui mettre ça là. Voilà, c'est mon camion. Ensuite, on a. Eh, dis donc, je vais m'éclater moi, tout remballer, tu vas voir. Un petit combat médic. Je l'ai pas en plus. Je l'ai pas en plus celui-là. De chez Hot Wheels. Ensuite. Bon, celle-là je l'ai, ça c'est sûr. Petite Lamborghini Countach Pace Car. Elle est propre, hein? En loose. Voilà, je vais la mettre au-dessus de la gold. Voilà. Ensuite, on a. Alors, on date, on a tout. Hein. Du sopalin, du journal. Ah, celle-là je l'ai. Eh, ça fait plaisir de la voir. Smart Roadster coupé de chez CQ. Ça fait plaisir. Ça m'étonne qu'il ait commandé des trucs comme ça, Nico, là. Ça m'étonne. Ça se trouve, il y a des trucs pour moi dedans. Ensuite, on a. C'est beau, ça. Petit CQ. Un petit T5. Il est beau celui-là, je l'ai pas en plus. Je l'ai pas en plus celui-là. En couleur rouge. Donc il y a un ouvrant. Voilà. Et il est beau. Hein. Mon petit Nico, si tu sais pas quoi faire de tes CQ. Attends, il y en a une autre là. C'est bien emballé. Elle est dans un sachet celle-là. Voilà. Celle-là, je ne l'ai pas non plus. Oui, Peugeot 206. Voilà, ok. Je vais la mettre là, devant la Smart. Voilà, on fait attention à son œuvre. Il y a encore des loose, il y a des blisters. Mais j'hallucine! Oh, celui-là est beau.
Surfing School Bus. Ça, il va adorer Nico. Ça, c'est flou là ou quoi? Voilà. Surfing School Bus, il va adorer ça. Il va adorer. Hop, on continue. De la loose. Ok, alors ça, je me rappelle plus que c'est Peugeot 4002 Concept Car. Nos rêves. Moi, perso, je trouve ça moche. Mais bon, après, s'il aime, bon pour lui. Ensuite, on a encore une petite loose, là. Deux looses. Une petite loose et une grosse loose. Eh, hey, petite Chevrolet Corvette Gaz Monkey 68 en loose. Celle-ci assez récente, hein, on la trouve encore en pack. Elle est belle. Hein. Elle est belle, hein. Ça va lui plaire ça. Ça va lui plaire. Ah celui-là. Oh, mes gamins ils l'ont. Oh puis il a l'air entier. Oh, il est en super condition. Ouais. La pompe à incendie. Ah non, mes gamins, ils ont pas celui-là, ils en ont un autre. Pompe à incendie majorette, voilà. Donc celui-là, je vais vous le présenter comme ça de loin. Je vais cache le réemballer et le remettre dans le carton. Voilà, ce qui prend beaucoup de place. Donc on a le crafter en blister de nouveau. Donc voilà, chez majorette, on a quoi d'autre? On a du CQ avec une BMW M3 coupée. Voilà, je ne vais pas lui sortir du blister, ça se fait pas. On a... Ah putain, il y en a partout. Une Audi R5 Racing. RS5, j'ai dit R5. RS5 Racing de chez CQ. Alors celle-ci, je ne l'avais jamais vue. On a celle-ci que j'ai, Audi R8 Spider. En vert fluo. Voilà. On a encore quelques-unes. Une petite Hot Wheels Ford GT de 2017. Voilà. Hop, on essaye d'aller vite. Hein. On a de nouveau. Ah non, c'est une Corvette C8R. Je vois les Corvette C8R, donc tout ce qui est racing. Enfin, ça, je l'ai pas, celle-là. Je ne suis pas trop. On a petite BMW M4 Racing 2016. Je ne sais pas qui faisait les racing, le Nico. Voilà. Hop. On a la petite Audi avant RS2. Bon, ça, il aurait pu me la demander. Hein. Je l'avais. Hein. En bleu, elle est sympa, elle est sympa. Voilà, et le dernier modèle du colis, mais après je vais tout remballer. Une petite Citroën Norev C3 WRC de 2017. Voilà, ben n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à lâcher un gros pouce bleu surtout. Et ben voilà, donc à part le petit camion Matchbox qui est au fond, enfin le double team qu'on voit, et ben le reste c'est pour Nico. Donc il m'avait donné l'autorisation de lui ouvrir son colis, donc voilà, je l'ai fait. Maintenant je vais tout réemballer pour qu'il puisse réceptionner ses miniatures. Ben, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.